bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va réaliser une bûche pour les fêtes de Noël. Ça sera une bûche chocolat et orange. Alors, pour cette bûche, on a besoin d'une orange. Alors, la recette donnée est pour une bûche de 6 personnes. Donc, on part sur une orange. J'ai mis un poids de 230 grammes, je crois. De 230 à 270 grammes, grosso modo, c'est la valeur d'une orange entière. Cette orange-là doit être avec une peau assez fine, donc c'est plutôt une orange à jus. Faut éviter qu'elle ait trop de peau. Si elle a trop de peau, ça va donner beaucoup d'amertume. Donc, pour cette recette-là, on aura besoin de sucre. Ensuite, on a besoin de jus d'orange, donc frais, issu de l'orange qu'on va presser, et d'une orange entière. Alors, la première chose à faire va être déjà de blanchir l'orange. Alors, on blanchit l'orange pour plusieurs raisons. Déjà, les oranges sont en général traitées. Ensuite, c'est pour enlever l'amertume de l'orange. C'est-à-dire que dans l'orange, il y a une partie interne qui s'appelle le ziste, c'est le blanc de l'orange, qui est très amer, donc on veut enlever, en partie en tout cas. Donc la première chose à faire, c'est notre orange, on la prend et on va la piquer avec un couteau, bien pour que l'eau rentre bien à l'intérieur de l'orange. On va mettre notre orange entière dans une casserole avec de l'eau et un petit peu de sel. Voilà, on va mettre du sel parce que le sel va bien pénétrer également. Il va permettre d'enlever davantage d'amertume également. Et on va sortir notre orange tout de suite dans l'eau froide. Il faut la rincer. On va le renouveler 3 fois. C'est pas la peine de mettre le sel sur les fois d'après. Une fois qu'il a été mis la première fois, c'est pas la peine d'en remettre. On va continuer donc la recette en coupant l'orange et en la préparant à la marmelade. Donc notre orange est prête, elle n'est pas cuite, la peau est beaucoup plus souple. À partir de ce moment-là, on va couper les bords, les bouts, avec un couteau fil. Si vous utilisez des oranges qui ont une peau plus épaisse que celle-là, celle-ci, c'est encore un petit peu limité. Donc on va retailler cette partie-là. Là, on est vraiment que sur de l'amertume, ce ne sera pas très agréable. Une fois qu'on a ça, on va découper notre orange en morceaux. La partie centrale, c'est pareil. Vous pouvez l'enlever, parce qu'elle n'amènera rien de particulier. Quand notre orange est mixée, on va la mettre dans un récipient. Ce récipient-là, on va le passer au blender par la suite. On va la mettre directement dans la casserole. C'est tout simple, on rajoute les deux ingrédients restants qui sont le jus d'orange et le sucre. Alors, sucre cristal, sucre semoule, ça n'a pas d'importance. Voilà. Au départ, il y a quand même pas mal de liquide. Donc ça va prendre un certain temps, le temps que ça cuise. Il faut respecter ce temps-là parce que sinon les écorces n'auront pas le temps de cuire comme il faut. Donc mettez-le sur un gaz au départ, en tout cas pas trop fort, un gaz moyen, pas plus. Le but de l'opération, c'est de réduire vraiment la quantité jusqu'à pas complète évaporation, parce qu'il y a évaporation, même quand on l'arrête, ça va continuer de s'évaporer. Donc il faut qu'il reste un petit peu de jus quand même, parce que le but du jus, c'est de rajouter quelque chose de gourmand et qui soit un peu humide quand même. Mais il faut que ça se tienne, évidemment. Parce que la marmelade, telle qu'elle, c'est pas vraiment une marmelade, mais c'est dans l'esprit. Devra se tenir d'elle-même, donc elle va être rajoutée telle qu'elle dans le gâteau. On pourra à froid également lui rajouter du Grand Marnier par exemple, ou du Cointreau. On est sur quelque chose déjà qui, même à l'inclinant, ça bouge pratiquement pas. Là, c'est quelque chose qui va se tenir. Donc là maintenant, on va procéder à la fabrication de la meringue française. Donc on commence par mettre les blancs d'œufs avec le sucre semoule dans le batteur. Qu'on va installer et qu'on va mettre à monter à vitesse moyenne. Le but du jeu, là, c'est de les monter ferme, les blancs. Donc, on met à tourner. Pour faire notre meringue, on a également besoin de sucre glace. Alors, la différence entre les... Il y a 3 grands types de meringue. Il y a la meringue française, c'est celle qu'on fait. C'est une des meilleures en termes de consistance parce qu'elle est souple et elle est croquante extérieure et fondante à l'intérieur. Donc c'est le mélange de sucre semoule mélangé dans les blancs d'œufs et de sucre glace qu'on va rajouter maintenant. Mais avant, on va le tamiser, notre sucre glace. Donc on le prend et dans un petit tamis, voilà,
Voilà, on va chinoiser ça, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de graines, pas de morceaux qui peuvent rester après dans la préparation. En une fois ou plusieurs fois, je coupe en glace. Et on va mélanger avec une spatule. De toute façon, on vient incorporer l'un dans l'autre sans que ça retombe. Donc pareil, on fait la même chose que tout à l'heure, au niveau de la taille en tout cas, parce qu'il faut évidemment que ça rentre dans le moule, il ne faut pas que ça le faire trop large. Donc là, on tire quelque chose de beaucoup plus fin, comme vous pouvez le voir. Et c'est ce qui sera donc à la base du gâteau. Il risque de vous rester un petit peu de meringue, donc vous pouvez vous en servir pour faire des éléments décoratifs que vous allez mettre sur la bûche également. Donc ça, vous pouvez faire un petit peu ce qui vous passe par la tête, après ça n'a pas d'importance. Et on va le cuire pendant au moins allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, après à regarder. L'intérêt, ça serait d'avoir un côté pas trop cuit à l'intérieur. Maintenant, vaut mieux avoir quelque chose de cuit suffisamment, sinon ça va être très cassant et ça va être un problème aussi. Donc 100 degrés en température, ouvrir le four de temps en temps, de façon à ce que la buée, l'évaporation s'en aille. Il faut l'ouvrir au moins sur le temps de cuisson, au moins 4 fois, facile, 4 ou 5 fois. Voilà. Alors maintenant, on va faire notre biscuit chocolat et amandes. Donc ce qui est important dans ce biscuit, c'est le fait que les ingrédients soient à la bonne température. Il faut que tout soit à température ambiante. Les œufs doivent être sortis du frigo bien avant. Il faut que les blancs d'œufs qui rentrent dans le cadre de la recette aussi, le soient aussi. Et que le chocolat soit bien chaud à 45 degrés ou 50 degrés. Sinon, le chocolat qu'on va mettre dedans, si tout est froid, il va bloquer tout de suite. Et on aura, au lieu d'avoir quelque chose de très léger, on aura quelque chose de très tassé au contraire. Alors, dans un premier temps, on va mélanger tout ce qui est sec, c'est-à-dire la farine, la poudre d'amande et le sucre. On met tout ensemble, lui ajouter les œufs, le mélange d'œufs. Donc il y a deux jaunes et un œuf entier. Donc on va l'incorporer à l'intérieur et mélanger. Comme à la maison, il y a des morceaux, gros morceaux de sucre, ça peut arriver, donc vous les cassez contre la paroi, et avec l'humidité des œufs, on va avoir quelque chose qui va se... ça va fondre. On va lui rajouter des blancs d'œufs, donc qu'on a préparé et dans lesquels on aura rajouté le sucre. On va les monter en consistance assez souple, il ne faut pas qu'ils soient trop montés, sinon ils vont être grainés, ça va faire retomber l'appareil, donc c'est pas le but. Vous voyez, ça se tient tout juste, c'est très léger. Et là, on va remuer donc légèrement, doucement, pour éviter de les faire trop retomber. Et on mélange, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, pour garder la légèreté. Dès que le mélange est homogène, on arrête. On évite de trop travailler cet appareil-là. On a notre chocolat chaud, on va le verser donc d'un coup sur la préparation. Il faudra être très rapide, il faudra le remuer très vite. C'est un chocolat à 100% sur la recette, c'est-à-dire c'est un chocolat où il n'y a pas de sucre. Donc c'est vraiment de la pâte de cacao pure. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez me demander chez votre pâtissier ou votre chocolatier, ça peut se remplacer par un chocolat à fort pourcentage de cacao. 75, 80, ça on en trouve en grande surface, c'est sûr. Prenez au minimum 75%. Voilà. Et si vous prenez 75%, baissez un petit peu la quantité de sucre qu'il y a dans la recette. Vous pouvez le faire à l'œil, ça c'est pas ça qui va vous fausser la recette. Dès que c'est mélangé homogène, on arrête. Donc, on va se munir d'une poche à douille. Si on n'a pas de poche, on peut le dresser également à la cuillère ou à la spatule. Le but du jeu étant de mettre une bûche et quelque chose d'assez épais. Donc là, on va mettre une bonne couche de biscuit. Il ne faut pas qu'il soit trop fin, sinon après, on va perdre de la gustative. Donc, le plus important, c'est l'épaisseur, peu importe la façon. Nous, on a des poches travaillées plus précis. Mais à la maison, on peut faire avec ce qu'on a aussi, ça me pose aucun problème. Alors l'idée avec la poche, ça va être de dresser exactement la taille dont on a besoin. Donc là, nous on va faire un fond pour une bûche de 6 personnes.
il y a des quantités suffisantes pour pratiquement faire deux fonds par bûche. Donc, vous voyez, au niveau de la coupe, je vais le couper un peu épais, de toute façon, je connais pas mal de produits. Voilà, après il vous reste de l'appareil, vous pouvez faire des petits cercles. À côté, je pense que vous trouverez toujours quelqu'un pour les manger. Une fois que notre préparation est terminée, est prête à cuire, on va la cuire. Pourquoi je les ai dressés comme ça? Je les ai dressés comme ça parce que ça, c'est mon moule à bûche. C'est là-dedans que je vais meubler ma bûche définitive. C'est une bûche qu'on va monter à l'envers, c'est-à-dire que ce que vous voyez dessous, ça va être le dessous, évidemment, à la hauteur. Donc ce système-là, si vous n'avez pas de moule à bûche, ça peut se monter dans un moule à cake, par exemple. Alors, il sera carré, rectangulaire, ça n'a pas d'importance. Ça se monte également dans un, si vous n'avez pas et que vous voulez vraiment une forme de bûche, des gouttières de maçon, par exemple. Fonctionne très très bien, c'est pas la peine d'avoir vraiment spécifiquement un moule à bûche. Hein. Voilà, donc cette taille là, c'est la largeur de mon moule et c'est la longueur qu'il faut pour avoir un gâteau pour 6 personnes. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a dressé comme ça. Après, à vous de vous adapter au contenant que vous avez. Et maintenant, donc on le cuit. Donc, cuisson au four ventilé, on va dire 180 degrés. Ce sont des fours pro, alors je vais avoir du mal à être très précis par rapport à ça au niveau de la durée, du temps. C'est un biscuit qui cuit très vite, il faut qu'il reste vraiment souple. Le jeu, c'est pas de faire du biscuit, hein. Donc il faut vraiment le surveiller. En cuisson, ça va vite. 180 degrés, on va le dire 5 minutes à surveiller. Vous ouvrez un petit peu la porte du four pour que la buée s'évapore un peu et vous le surveillez. Voilà. C'est bon ? C'est bon ? Voilà. Pensez à mettre des moules comme je viens de le faire pour éviter que le papier avec la soufflerie ne vienne sur le biscuit. Je le laisse tout. Voilà, c'est parti pour 5 minutes. On va donc réaliser la mousse au chocolat une fois qu'on a tous nos éléments qui sont prêts, c'est-à-dire qu'il faut que la meringue soit finie, cuite et froide surtout, la marmelade froide et le biscuit froid aussi et découpé. Tout est prêt, on lance la mousse au chocolat. Une fois que la mousse au chocolat est faite, il faut absolument qu'elle soit dressée tout de suite parce qu'évidemment elle va commencer à refroidir et à durcir et donc il faut aller très vite. Donc la première chose qu'on fait pour la mousse au chocolat, c'est monter la crème fouettée. Donc on prend un récipient qu'on met au frigo, il faut que tout soit bien bien froid. On utilise une crème à entre 30 et 35% de matière grasse, crème fleurette. Et on va la mettre à monter donc au batteur, consistance assez souple. Dans le chocolat, on va venir ajouter notre jaune d'œuf. Et on va remuer. Il ne faut pas le faire trop tôt cette étape-là parce que le jaune d'œuf va faire épaissir le chocolat. Donc, quand on fait ça, il faut être sûr qu'on ait le coup à disposition. Conseil, à partir du moment où on a incorporé le jaune, de passer au fouet, c'est plus facile. Une fois que le jaune a été rajouté, on va rajouter notre crème, on va le faire à peu près en deux fois. Dans la crème potée, vous voyez, consistance assez souple, hein. Comme une chantilly, sauf qu'on la soupe pas. Voilà. Terminé notre marmelage. La meringue va mener de la légèreté. Pour les mêmes raisons, c'est une mousse au chocolat qui est très peu sucrée. Volontairement, parce que la meringue est déjà trop sucrée au départ. Donc là, on a la mousse qui est prête. On va vous garnir notre mousse. On compte 1,5 cm d'épaisseur à peu près, qui dépend évidemment de la taille, de la hauteur de votre mousse. On met notre biscuit à l'intérieur sur la mousse et on appuie bien les deux, de façon à ce que la mousse remonte bien le long de la paroi. Le but du jeu, c'est que la mousse recouvre la totalité de la paroi.
Mon repas, c'est une petite couche juste pour éviter qu'on voit les biscuits sur les côtés. C'est comme ça que ça démoulera mieux, que la bûche sera lisse. Quand on en est à ce moment-là, on va incorporer notre marmelade d'orange. Donc, vous pouvez y aller directement à la cuillère. Là, après, c'est au goût de chacun. C'est-à-dire que maintenant, soit vous remettez une autre couche de biscuits, soit vous continuez avec la mousse au chocolat. Moi, c'est un biscuit qui est goûteux. Donc, je vais mettre une seconde couche. Bon, le biscuit, là, l'intérêt du biscuit, c'est qu'il va également pomper l'humidité de l'orange. Donc, c'est le but de procéder ainsi. Une fois qu'on a mis notre biscuit, on va continuer avec notre mousse au chocolat, qu'on va continuer à mettre bien sur les bords de la paroi. Le but du jeu, c'est qu'on ne voit ni la marmelade de l'extérieur, qu'on ne voit ni la marmelade, ni le biscuit. Qu'on soit vraiment que sur la mousse au chocolat qui soit partout autour. On va en rajouter un petit peu, parce que ça manque un peu. On va venir ajouter en dernier donc notre meringue. On va la recouper à la taille. Notre meringue qui va venir le côté plat dessus. On va bien appuyer de façon à faire remonter la mousse au chocolat. Et voilà. Donc là notre bûche est terminée. Évidemment elle est à l'envers. Le dessus sera le dessous. Et on va lisser éventuellement sur les bords. Avec de façon à avoir quelque chose qui soit vraiment plus net. Et on va le mettre en congélation. Alors, le but du jeu de la congélation, on n'est pas obligé de le congeler complètement. C'est juste, on le congèle pour pouvoir le démouler plus facilement déjà. La mousse au chocolat est quand même solide, donc même à température frigo, elle va serrer. Mais il y a de la légèreté parce qu'on a rajouté de la meringue. Donc le fait de le passer à la congélation va conserver davantage de légèreté à la mousse. Donc voilà. Maintenant, vous mettez au congélateur. Notre bûche est terminée, elle est au congélateur. Maintenant, on va réaliser le glaçage. Alors, pour le glaçage, on a besoin de crème et de lait qu'on va mettre dans une casserole et faire chauffer. Alors, aux alentours de 70-80 degrés, ça suffit très largement. On peut mettre dès le départ hein, tous les liquides ensemble, qu'on amène à peu près une 70 degrés et qu'on va verser sur le chocolat haché qu'on aura choisi. C'est-à-dire, toujours pareil, je laisse de la marge à votre imagination et à votre chocolat préféré. Alors, le glaçage sera plus épais à fort pourcentage de cacao. Quand tous les liquides sont à température de à peu près 70 degrés, on le verse sur le chocolat haché et on va remuer doucement. Alors le but du jeu, c'est de l'aérer le moins possible, parce qu'en l'aérant, on lui rajoute des bulles. Et comme c'est un glaçage, on veut qu'il soit le plus net possible. Donc on y va vraiment doucement, le remuant avec une spatule et pas avec un four. Une fois que c'est fait, on va le laisser refroidir en le filmant sur le dessus. Et la température d'utilisation du glaçage est à peu près une trentaine de degrés, entre 30 et 35. Faut pas que ça dépasse 35, ça sera trop chaud, ça vous fera fondre après votre bûche. Si en termes de viscosité, si l'épaisseur ne vous convient pas, vous trouvez que c'est un peu trop épais, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. C'est ça qui va vous régler un petit peu la consistance. Attention, ne rajoutez de l'eau que quand vous êtes à la bonne température de glaçage. Méfiez-vous, en refroidissant, il épaissit. Voilà. Là, on a notre glaçage qui est prêt à l'emploi. Donc maintenant, on va démouler notre bûche. Le principe du démoulage de la bûche, c'est comme avec un pot de glace, c'est le même principe. On met notre moule de bûche à l'envers, évidemment, on ne peut pas mettre l'eau directement dessus, mais sous l'eau chaude, de façon à ce qu'avec la condensation, il y a un choc thermique qui se passe et la bûche va se démouler toute seule. Donc il faut prévoir une grille sur laquelle vous allez réceptionner votre bûche et la mettre directement sur la grille pour la préparer au glaçage qui va intervenir maintenant. Le glaçage est à la bonne température. Notre bûche est prête, donc on met un contenant dessous pour récupérer le glaçage pour éviter d'en mettre partout. Vous pouvez faire ça sur une grille du four par exemple, ça c'est possible, et les récupérer sur la chaufferie qu'il y a dessous. C'est pratique pour faire ce genre de choses-là. Donc vous utilisez un contenant, et ce contenant-là, vous allez verser directement dessus votre glaçage. Il est suffisamment fluide, c'est pas la peine de le toucher, il va trouver sa place directement. Donc là, on va le laisser petite minute, le temps que le chocolat arrête de couler. Alors le glaçage, il faut éviter de trop le travailler, sinon, vous voyez, il y a l'apparition de quelques bulles d'air. En vous le montrant, il faut une fois qu'il est fait, il faut travailler le moins possible, juste le mélanger pour l'homogénéiser, mais il ne faut pas faire davantage. Donc voilà, le glaçage a arrêté de couler, donc on va prendre une spatule pour passer dessous,
passer la main dessous. On voudra enlever ce qui dépasse. Donc là, notre bûche est congelée. C'est pour ça qu'elle se tient bien comme ça et on va le poser. Alors maintenant, on va le décorer. Donc là, sur le côté, je mets des petites amandes caramélisées. C'est des amandes bâtonnées qui sont caramélisées. Ça, ça va rajouter un petit peu de croquant également. Alors, j'avais fait quelques petits éléments de décoration en meringue. On va venir rajouter. On appelle ça biscuit éponge parce que c'est vrai que quand on a plus, vous voyez, on prend sa forme comme une éponge. C'est de la décoration. Alors, pour ce genre de choses-là, il faut encore un petit peu attendre que la mousse soit revenue à température, comme ça on pourra la planter directement dans la mousse au chocolat. Voilà, nous venons de réaliser donc notre dessert de fin d'année qui était une bûche au chocolat et à l'orange. Bon appétit à tous.